Hello world, ici Mushu et bienvenue à ce Mushu Summon Dragon Ball Legend. Pour ce gacha, on a le droit à Legend Rising avec deux super personnages ici de films de Dragon Ball quoi, et donc le film Fusion ou c'est Résurrection. Donc du coup ces deux personnages sont, comme on dit, emblématiques, ça impose la puissance quoi. Donc du coup on va regarder un petit peu vite fait dans ce portail, donc évidemment quel personnage on aura, et on va voir un petit peu vite fait l'alentour de leur stat. Ok, donc là on voit, on a un super Gogeta, donc déjà super, hein, donc pas normal hein, qui a donc une puissance de frappe de 333k. Tout va bien. Avec deux supers attaques, donc ça c'est cool. Ça promet en rouge, c'est bien, en rouge. Oui, en rouge, pourquoi pas. Le super Janemba, moi, une super grosse attaque qui fait du super mal et il a 339. Ouh là 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 là. Il a 740. Ouh là 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 là. En violet. Ah, il va faire concurrence à Super Sangohan, enfin Super Saiyan 2 de Sangohan. Ce qui était quand même super badass aussi celui-là, donc là l'air de rien, il lui fait sacrément concurrence, même large quoi. Donc aïe. Et donc qu'est-ce qu'on a comme autre personnage aussi? Ben avant on remet un Super Saiyan Sangoku. Pourquoi pas, le bleu, voyons, effectivement, il est un peu partout dans tous les gachas en ce moment lui. Hein. On a le Super Vegeta qui revient, donc ça fait plaisir, on remet un autre personnage, enfin un personnage qui n'est pas forcément dans beaucoup de gachas pour l'instant. Donc à part le pack 1 bien sûr. Donc why not. Ça aurait été bien aussi de revoir un peu d'autres personnages comme Badak ou comme Thales, ça aurait été sympa, mais bon, pas trop demandé hein. Et donc Pac-Wan, oui d'accord, Pac-Wan, why not, parce qu'il a une association avec Sangoku, donc pour ça qu'il le met aussi, donc enfin Sangoku, avec Gogeta, excusez-moi, hein, donc à voir, hein, comme je vous dis, hein. Donc on verra bien ce que ça donne. Donc comme vous le savez, j'avais fait le step up il y a pas si longtemps, donc j'avais dépensé plus, j'avais 4K de cristaux. Donc forcément c'était un petit peu compliqué pour moi après de revenir, donc j'ai mis un petit peu de temps à refarmer à fond. Donc là heureusement l'histoire je l'avais pas du tout farmé, donc en plus comme on peut avoir le Super Saiyan pour le Shadow, donc du coup on farme encore plus joyeusement quoi. Et donc ça m'a fait monter quand même assez rapidement mes cristaux quoi, donc là j'en ai 3K, donc ça assure 3 multi. J'ai aussi les 35 cristaux en plus, donc qui me permettent de faire la petite multi promo du jour à 20 aussi. Donc on va tester avec la première multi, la salle de 20, bien évidemment. Hop là, petite 20. Ouais, ça sentait vraiment le... Ouais, bon. En fin de compte, oui, c'était une multi, il fallait que je fasse une multi. Donc la multi m'appelle, puisque le solo n'était pas présent. Multi, envoyons donc du lourd et transformons-nous en Super Saiyajin. Allez, du bon. Ah sérieux. Ah ça m'a cassé la hype. Ah sur le coup je me suis fait trop bien là, tac bim, il y a le sparking qui tombe et... Mais c'est quoi ça? Mais lui je joue mon... Pour vous dire je joue même pas, il est toujours 1000, il est même pas 1005 quoi, en niveau quoi. Oh sérieux. Oh, quoique j'ai pas une étoile avec lui maintenant. Mais non, sérieux quand même, sérieux. On reconcentre encore de nouveau l'énergie. On la fait grandir et bouillir. Et cette fois, on prend celui de bannière. Le un des deux qu'on voit là devant. Un des deux. Vous voyez? Un des deux. En plus on a deux, donc deux ça peut être bien quoi, vous voyez ce que je veux dire? Allez, un bon Kamiya. Omeo Ora ni katune. Koi da Super Saiyajin da.
Ça sent l'extrême, ça. Ouais, ça sentait l'extrême. Ah non, je les connais pas. C'est les personnages. Franchement, si j'avais su qu'il y avait ces personnages-là, j'aurais pas mis dans Step Up, quoi. Ah non. Sérieux, surtout quand on se rappelle du Step Up, comment il était dégueulasse à la fin. Au début, il était super cool, ça a bien commencé. À la fin, j'ai eu après voilà, du doublon. Même dans les tickets, j'ai eu des doublons, quoi. Oh non, sérieux, quoi. Sérieux, là. C'était extrême lent, là. Enfin, presque. Pff, il reste plus qu'un Milka, quoi. Bah, je vous cache pas, là, pour l'instant, je suis perplexe, là, parce que là ça. Voilà, ça a bien sparkingé finalement sur le premier multi. Premier solo était pas top, et là, deuxième multi, c'est extrême. Donc on peut considérer que cette dernière qui va tomber sera celle qui va me faire bondir de joie. S'il vous plaît, là, on bondit de joie, là, on bondit de joie. Allez, un bon petit sparking qui me rendra heureux. Heureux. Voilà, le sparking qui rend heureux. Le sparking qui rend heureux. Oui, oui. Je peux mourir en paix. Non, peut-être pas. Je vais vivre quand même pour le profiter quand même. La déconnez pas. Oh, c'est trop beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Ah, je me sens mieux maintenant là. Oh, vous imaginez pas comment je me sens bien. Oh, ça fait plaisir ce dernier là, dis donc. Franchement, ce dernier il fait plaisir. Ah, franchement, ça fait plaisir. Ah, je vous avouerai. Bon, oui. Kanemba, j'aurais bien aimé l'avoir aussi. Je sais pas, je vous dirais peut-être que je vais peut-être encore farmer pour retenter encore pour essayer de le choper. Parce que bon, c'est un bon petit perso qui est badass quand même aussi. Vous avez vu les stats qu'il avait de dingue quoi. Mais là, j'ai mon Gogeta. J'ai mon Gogeta, oui. Je suis content. Je suis content. Ouais. Ouais. Bon, ben voilà, du coup, pour 3K et 20 cristaux, ben, j'ai réussi à avoir donc deux nouveaux personnages, dont un de bannière, quoi, donc le super Gogeta. Donc ça fait plaisir, franchement c'était celui que je voulais en plus quoi. Donc je voulais essayer, j'essaie pas d'avoir de préférence parce que vous savez comment ça se passe, qu'on a une préférence, généralement on n'arrive pas à l'avoir. Donc du coup j'essaie de rester neutre. Et voilà, donc il est tombé, je suis super content quoi. Après à côté de ça, ben ça me fait plaisir parce que là j'ai un Vegeta qui se respecte. Parce que l'autre Vegeta, le rouge, ben, le premier qui est sorti en Super Saiyan. Pas qu'il est pas top, mais bon, voilà quoi. Là on a un Vegeta énervé là qui fait je vais tout casser, donc avec un bon Final Flash, je crois, si j'ai pas de bêtises. Donc je verrai après ce que je peux faire après comme équipe avec. Ou sinon le garder. Donc bah, là après vous voyez que mes autres joueurs, bah, je les ai tous montés, enfin les Sparking principalement. Le Janemba, bah, je me dis, j'essaie peut-être trop farmer pour essayer de revoir encore et retenter. Je pense bien, ouais, retenter, bah, ça m'étonnerait pas. Et donc après, ben je vous disais, celui que je me tâte vraiment, le Paikwan, je sais pas, je vous avouerai, je sais pas, parce que bon, il a 4 étoiles, mais savoir ce qu'il vaut vraiment, quoi, voilà. Après, bon, du coup, le personnage que j'ai pas, ben, ouais, 3 sparking, 4, 5, 5 sparking, 6 sparking, 6 pa- 7 sparking que j'ai pas encore, ah non, 8 sparking que j'ai pas encore. Ouais, donc encore du taf. Mais bon, on désespère pas, on va tous d'abord. Ah, on en a 9 en fait, autant pour moi. On a plus en fait. En fait, je vais arrêter de dire des bêtises. Donc, on s'en fout.
Et donc pour le Pike One, bah vous voyez, je l'ai pas encore fait monter à 1005, mais bah, je vais peut-être le monter. Est-ce qu'il a quand même 4 étoiles? À voir. Donc c'est pas forcément ma priorité. Là on va dire ces personnages-là, c'est tout le gosse par que j'étais, bah lui c'est ma priorité. Parce que bon, il est pété. Et après on va essayer de voir l'exploiter. On verra bien. Donc voilà, je suis quand même content. Donc j'avais un peu petit peur, je vous disais quand même, par rapport, on va dire, le fait d'avoir eu le premier sparking justement avec Pike One et pas avec des bannières, donc ça m'a fait un peu paniquer. Mais finalement, bah, à la fin, bah, c'est bien fini quoi, puisque j'en ai eu deux de nouveaux, donc c'est ce qui arrive pas trop souvent, on va dire, dans mon côté quoi. Donc c'est, je suis assez content. Donc comme d'hab, si vous voulez retrouver les informations, bah, n'hésitez pas à aller sur la page du Mushu, dans The Mushu World, sur la page de Facebook ou sur Twitter. Vous pouvez aussi me retrouver, à dire sur le groupe de Bleach, Breath sous les fers. Donc du coup, ouais, c'est du Bleach, mais vous pouvez me retrouver, donc c'est aussi bien de jouer du Bleach, hein, vous savez. Hein. Et après, ben, bien évidemment, ça peut donner un petit coup de main à la chaîne, n'hésitez pas à aller sur le Tipeee, parce que sur le Tipeee, vous pouvez faire des dons avec tout ce que vous voulez comme possibilité. Enfin, presque. Voilà, donc ben le Mushu est quand même content, en plus il fait son tirage assez tardivement, après minuit comme on dit quoi. Et voilà, je peux faire de beaux rêves maintenant, c'est cool. Ben sur ce, Mushu vous dit aussi de faire de beaux rêves, enfin si vous regardez la vidéo en soirée. Et vous dit à bientôt. Allez, Mushu chou chou. Ça fait beaucoup de chou chou. Yeah.